bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Michael Lonsdale. Michael, on ne vous présente plus, 60 ans de carrière comme comédien, plus de 130 films à l'affiche duquel vous avez été. César en 2011 pour le meilleur second rôle, dans le rôle de Frère Luc, dans le cadre du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. On connaît aussi votre engagement de foi, alors c'est ça qui va retenir notre attention au cours de cette émission. On va revenir sur ce parcours de foi qui est le vôtre. Mais auparavant, puisque ce sont les 15 ans de KTO que nous fêtons à travers cette émission, vous allez nous lire un passage, un texte. De Maître Eckhart, oui, qui s'appelle « La fidèle confiance ». L'amour véritable et parfait se mesure à la grande espérance et à la confiance que l'on a en Dieu, car aucune chose ne mesure mieux l'amour accompli que la fidèle confiance. La fidèle confiance révèle combien une personne aime l'autre, et toute la fidèle confiance que l'on ose avoir en Dieu, on la trouve vraiment en lui, et mille fois davantage. De même qu'un homme ne peut jamais trop aimer Dieu, jamais un homme ne pourrait avoir trop de fidèle confiance envers Dieu. Tout ce que l'on peut faire par ailleurs n'est pas aussi avantageux que la grande fidèle confiance envers Dieu. Avec tous ceux qui ont eu ainsi grandement confiance en lui, il n'a jamais manqué d'accomplir de grandes choses. Chez tout cela, il a bien montré que cette fidèle confiance a l'amour pour origine, car l'amour n'a pas seulement fidèle confiance, il y a aussi un vrai savoir et une certitude exempte de doute. C'est dans un livre de Maître Eckhart, Conseil spirituel. Oui, j'ai pris ça parce que, d'abord, je l'ai pris au hasard, parce que je me suis dit, la meilleure chose, c'est d'ouvrir, vous savez, comme les charismatiques font, d'ouvrir le livre au hasard. Et je suis tombé sur cette fidèle confiance dont on a tellement besoin. Alors voilà, en effet, le monde désespère beaucoup. Et alors cette confiance, évidemment, il faut travailler, il faut réfléchir, et puis il faut surtout s'abandonner et avoir une confiance totale en Christ. Alors cette fidèle confiance, elle a grandi progressivement, puisque vous n'avez reçu le baptême qu'à 22 ans, ce qui peut paraître surprenant quand on connaît votre foi aujourd'hui. De fait, vos parents n'étaient pas très engagés dans la foi, ni l'un ni l'autre, mais pour autant, avant cet âge de 22 ans, Dieu n'a pas manqué de faire déjà signe au petit garçon que vous étiez. Oui. Vous aviez une sorte de coin prière. Comment est-ce que ce petit coin prière, vous l'avez bâti Ça, c'était au Maroc, oui, je devais avoir une dizaine d'années. Oui, c'est parce que j'étais chez un neveu de la femme que Charles de Foucault avait aimée. C'était un aviateur qui s'appelait Moitissier. Et dans le corridor de son appartement, on avait des chambres louées chez lui. Il y avait plein de petites statuettes comme ça, un peu de bondieuserie, un peu sulpicienne, comme on dit. Et on parlait comme ça, puis il regardait. Mais il dit, oh là là, tout ça, c'est tellement vilain, je crois que je vais le donner à la paroisse. Et j'ai été pris d'une stupéfaction en disant, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Il m'a dit, pourquoi? Alors j'ai lancé un mot, je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire. J'ai dit, c'est sacré. Alors ça l'a fait rire. Il m'a dit, ah bon, tu aimes ça alors? Tu les veux? Ah ben, j'ai dit, oui, moi je veux bien les prendre. Et je me suis fait un petit coin prière, comme on dirait aujourd'hui. Ah, j'aimais bien, il y avait Saint François d'Assise, il y avait Thérèse de Lisieux, que j'allais connaître plus tard. Oui. Alors, vous avez vécu un certain temps au Maroc, et c'est un peu finalement comme Charles de Foucault que vous évoquiez à l'instant. Au contact d'un musulman, que vous allez retrouver le chemin de la foi ou qui va déclencher ? Non, pas te retrouver, parce que je ne l'avais pas perdu. Je veux dire, les approches du Seigneur, c'était tout discret, très léger. Il n'y avait pas de choses formidables qui m'auraient bouleversé. Non, c'était toujours. Ça a commencé en Angleterre, quand ma mère m'a offert un petit livre, The Life of Jesus, la vie de Jésus. J'aimais bien ce monsieur sur la couverture, qui était dans un drôle de costume, et puis il parlait aux enfants. Donc voilà, ça y a eu ça. Mais ensuite, alors au Maroc, cette approche avec les statuettes, et puis le musulman, un jour, dans les cafés le soir, il était comédien dans un film à l'époque au Maroc,
Et il parlait de Dieu d'une façon qui m'a interpellé, assez simplement, parce que moi j'étais quoi, j'avais 11, 12 ans, hein. Oui. Et donc, oui, ça m'a impressionné ce qu'il a raconté sur Allah et tout ça. Oui. Et puis, moi je commençais à chercher, oui, un lieu, une rencontre, tout ça. Et finalement, c'est une amie de ma mère qui m'emmenait le dimanche à la messe, à Rabat, à la cathédrale. Et là, j'ai commencé à entendre le spirituel, évidemment, mais c'était surtout la musique qui me plaisait, l'encens, je ne comprenais pas très bien ce qu'on racontait. Et voilà. Et donc, c'est venu tout doucement. Alors, après cet intérêt passager pour l'islam, nous sommes venus en France. Je suis né dans la famille française et là, mes parents se sont séparés. Et donc, cherchant à être comédien, aimant tellement le cinéma et puis à peindre aussi, puisque cette amie qui m'emmenait était peintre, c'est elle qui m'a fait connaître Rouault, Matisse, les coloristes, Chagall. Et voilà. Donc, elle m'a dit, il faut que tu ailles à l'atelier d'art sacré, place Fürstenberg, dans l'ancien atelier de Delacroix. Là, il y a des religieux et il y a des artistes. Alors, j'y suis allé, et le premier jour, il y avait un prêtre, oui, un dominicain, le père Rigami, qui a fait un enseignement sur l'art et la foi. Et ça m'a plu ce qu'il racontait, mais alors, à tel point que moi qui étais timide, j'ai osé aller lui demander, pardon monsieur, je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père. Pardon monsieur, ce que vous avez dit là, j'aime beaucoup, etc. Ah oui, mais je ne peux pas te parler, là j'ai rendez-vous, mais oui, est-ce que j'aurais pu vous parler? Oui, mais pas maintenant, là, il faut que je parte, mais appelle-moi, il me donne son téléphone chez les pères dominicains de la rue de la Glacière, couvent Saint-Jacques, et voilà. Et je me suis rendu j'ai appelé, il m'a convoqué pour une date. Alors je suis entré très ému dans sa petite cellule. Et puis il m'a dit, alors qu'est-ce que tu cherches? Alors je commençais à bafouiller. Je ne sais pas, moi je cherche quelque chose de vrai, de beau, de pur, de... Bon, alors voilà, au bout de 20 minutes, il me dit, mais écoute, je crois que c'est Dieu que tu cherches. Ah bon? Oui. Et puis voilà, ben, c'était le début du cheminement, il m'a amené jusqu'au baptême. Et donc vous avez reçu le baptême ? J'étais catéchumène, c'était assez rapide, parce que c'était 6 mois, pas plus. Hein. Et vous aviez donc 22 ans quand vous vous êtes fait baptiser ? Oui, et alors là j'ai une marraine qui m'est tombée du ciel, une femme aveugle qui a été une amie jusqu'à sa mort, une confidente. Avec elle, elle m'expliquait la vie de Jésus, on allait marcher dans les rues de Paris pendant des heures. Et parce que le père parlait, c'était très beau ce qu'il disait, mais c'était un peu savant. Il y avait plein de mots que je ne comprenais pas. Je n'osais pas lui dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors entre les deux, lui et puis un parrain aussi, gentil, voilà. Alors, le baptême, ça a été un jour pour moi de... Je pleurerai, mais alors comme une madeleine. Ah oui, oui, oui. Alors vous avez continué à cheminer avec les dominicains, vous avez connu plusieurs pères, le père Congar. Ça, j'étais gâté, parce qu'entre le père Chenu, fondateur des prêtres ouvriers, le père Congar, merveilleux théologien, Maurice Zindel, qui venait faire des conférences aussi. Et donc, j'étais nourri à bon escient. Hein. Alors pourtant, vous dites, une de ces espèces de chrétiens un peu mous, avec qui avait un peu de mal à prier. Oui. Oui, 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 oui. J'avais un peu de mal de tout ce qui était fidélité à la... Oui, mais enfin quand même. J'ai rencontré à Saint-Séverin des prêtres qui sont devenus des amis, des grands amis, le père Bouparac, Maronite, tout ça. Donc c'est avec eux que j'étais bien. Saint-Séverin était la seule paroisse dans Paris où tout le monde chantait, priait à voix haute. C'était Monseigneur Pézril qui avait créé cette chose, presque un avant-goût de ce qu'allait être le renouveau. Alors justement, vous allez aussi faire la rencontre du renouveau, oui, à une période de votre vie, beaucoup plus tard, oui. Une période de votre vie où plusieurs épreuves en fait vous accablent, vous avez connu plusieurs décès. J'ai une maman qui a une hémiplégie et qui est restée paralysée pendant 11 ans à la maison. Ça a été un moment très dur, mais
Il y a eu des grâces aussi quand même, justement sur la confiance, avec la confiance. Oui, alors après, je n'avais plus à entretenir parce qu'il y avait sa sœur, tout ça, qui vivait grâce à moi, à mon travail. Après, donc, ma tante est morte aussi, peu de temps après. Et donc, j'ai dit au Seigneur, ben maintenant, voilà, je suis à ta disposition. Dis-moi, inspire-moi. Et bien, ça n'a pas traîné, là. Dominique Ray, qui n'était pas encore évêque à Toulon, m'a suggéré de monter les récits d'un pèlerin russe. Voilà. Ce que j'ai fait avec Claude Logier. Et puis, a commencé. Ensuite, Saint-François d'Assise, les 15 Fioretti, oui, ensuite Thérèse de Lisieux, avec qui j'ai une rencontre incroyable, une nuit à Paray-le-Monial. Oui, oui. Et cette odeur de. J'étais seul avec la chasse dans la chapelle de l'hôtel où j'étais, et puis j'ai prié comme ça, et j'ai senti une odeur de rose comme ça qui montait. Je me suis dit, c'est pas vrai. D'où vient ce parfum ? D'où vient ce parfum ? Et puis voilà, parce que j'étais seul dans la chapelle, et je me suis dit, si, c'est peut-être un petit signe de Thérèse. Vas-y, mon vieux. Alors, parce que là, vous avez fait un petit bond. Vous avez rencontré le renouveau charismatique dans quelles circonstances ? 87. En fait, eh bien, justement, après le décès de maman et de ma tante, j'étais vraiment très mal, et puis de ma marraine. Tout ce monde-là est parti en 2 ans. Oh, j'étais au fond du trou. Vraiment, je voulais plus vivre, j'avais plus aucun goût à rien. Je pleurais, et puis... Alors, j'ai quand même eu la force d'appeler le Seigneur et lui dire, « Seigneur, vraiment, je n'en peux plus. Aide-moi, sauve-moi, parce que là, ça va plus. » Eh bien, la réponse est venue très vite. Le lendemain, mon parrain est arrivé, comme ça. On sonne à la porte. J'ouvre, et surpris... Ah, mais Henri, oui, il s'appelait Henri. Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais ? Ah ben, je voulais te faire la surprise, etc. Puis il me regarde, il me dit, dis donc, ça va pas, toi. Qu'est-ce que tu as ? Alors, je laisse couler toutes les larmes du chagrin que j'avais. J'ai dit, j'en peux plus. Il me dit, ben écoute, j'ai juste une petite chose à te proposer ce soir, là, à côté de chez toi, Saint-François-Xavier. Il y a une réunion de gens qui prient, des chrétiens qui chantent, et... Ah oui, j'ai dit, mais c'est quoi ? Ben, je t'emmène si tu veux. Si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît pas, ben tu peux sortir. Et voilà. Donc c'était ça la réponse. Hein. Ça a été vite. Alors j'entre dans Saint-François, ils étaient... Dans Saint-François-Xavier. Ils étaient en plein chant charisme... En chant... En louange. Non, comment ça s'appelle ? En chant en langue. Oui. En chant en langue. Oh, j'étais saisi par ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? Mais c'est bouleversant. C'était comme... Oh là là, ça m'a semblé être paradisiaque. Alors, quand j'ai vu ce qui se passait, les témoignages, les petits groupes de partage, là, j'ai une sœur consacrée qui m'a reçue, là, et qui m'a dit, mets-toi dans un coin, et puis tu me diras ce que tu penses. Et voilà, et à la fin, elle m'a mis dans un petit groupe de prière. Alors, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un s'agenouiller avec nous, qui mettions nos mains. Et puis, cette personne demandait ceci, demandait cela. Oh là là, ça a été, mais une révélation. Et alors, j'ai acheté des disques. J'ai entendu les soirées avec le Père Tardif, tout ça. Et puis, il y avait aussi les béatitudes, le nom de Judas. Oui, le nom de Judas à l'époque. Oui. Ça, j'écoutais tout ça avec émerveillement. Et vous-même, vous avez fondé un petit groupe de prière où vous avez contribué à lui, en tout cas, un petit groupe. Qui l'a fondé, oui, qui a suggéré qu'on fasse un lieu d'accueil pour les artistes comme ça, en recherche ou en perdition. Et voilà, ça a duré 20 ans, ça s'est très très bien passé. Sainte-Rita, près de la Trinité à Paris. Oui, on a été là, mais on a été dans 3 ou 4 endroits avant. Mais on a fini aussi à la Trinité, à l'église. Et voilà, pour l'instant, c'est en veilleuse. Et il y a peut-être un autre projet qui va surgir, qui s'appelle la diaconie de la beauté, oui. Toujours avec l'initiative de Dominique Ray. À suivre.
Alors, le monde du cinéma dans lequel vous avez vécu pendant 60 ans, vous vivez encore dedans, est pas toujours, plutôt connu pour être pas toujours très bienveillant à l'égard de la foi. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Oui, c'est pas que le cinéma, c'est chez tous les gens du spectacle, c'est aussi bien le théâtre. Hein. Il y a des farouches opposants à ce qui est religieux. Mais quand même, c'est un lieu où on est amené quand même à jouer énormément de textes religieux, quoi. Que ce soit Racine, que ce soit Claudel, que ce soit... Oui, alors, il y avait beaucoup, beaucoup de communistes dans le métier. Alors évidemment, quand je parlais un peu du Seigneur, on me disait, oh, écoute, la barbe, ça ne nous intéresse pas, on n'en a rien à cirer de ton Seigneur. Bon, alors moi, je partais un peu triste, je n'étais pas armé encore pour essayer de... Et alors, tout ça a duré... Mais avec quand même des gens comme... comment il s'appelle le metteur en scène qui a fait le film sur Thérèse Delisle ? Cavalier. Cavalier. Oui. Voilà un homme qui n'est pas croyant et qui se met à faire un film admirable sur une sainte. C'est quand même incroyable. Comme Xavier Beauvois, d'ailleurs, qui... Oui, qui n'était pas croyant, mais il croyait en l'homme, lui. Mais enfin, bon... Il y a une double... Vous savez, il y a ce qu'on croit faire et dire, et puis il y a autre chose en vous... qui est plus mystérieux et qui est surprenant et qui peut surgir à n'importe quel moment. C'est donc... Oui. Alors, après la mort de mes mamans, mes tantes, ma marraine, tout ça, oui, j'ai dit au Seigneur, allez maintenant, inspire-moi. Alors voilà, Thérèse de Lisieux, Madeleine Delbrel, et en ce moment, Sœur Emmanuel. Oui, Sœur Emmanuel, donc ça c'est un... Un spectacle que vous avez mis en scène, oui. Écrit par votre amie Françoise Thuriez. Non, c'est pas elle qui c'est entièrement écrit par la sœur. C'est une adaptation de ses textes. Le livre est très gros, alors il fallait choisir dans tout c'est ça. C'est des paroles de sœur Emmanuel qui sont... Complètement, il n'y a pas une phrase qui ne soit pas d'elle. Ah oui, c'est pas Françoise qui l'a écrit, elle a choisi avec beaucoup d'intelligence les passages qui pouvaient être bons pour le théâtre. Donc ça, c'est un spectacle qu'on peut voir actuellement à Paris. Hein. Oui. Il se joue jusqu'au 28 février au théâtre du Petit Héberto. Oui. Sœur Emmanuel, Confession d'une religieuse, donc jouée par Françoise Thuriez. Oui. C'est la sœur Emmanuel que vous avez connue, qu'on retrouve du coup dans... Oui, il y a des moments où elle parle comme elle. C'est très étonnant, elle ne le fait pas exprès. Quand elle pique ses colères, la voix de sœur Emmanuel se perchait. Ça devenait une espèce de cri sauvage, presque. Elle hurlait. Et Françoise est arrivée à incarner ça de façon très plaisante et très crédible. Oui, oui. Alors parmi vos nombreux talents d'artiste, il y a celui de comédien, bien entendu, il y a celui de peintre, pardon, vous peignez régulièrement, et vous aimez la peinture, vous aimez la musique, vous l'avez évoqué aussi, et vous aimez écrire. Vous avez écrit un certain nombre de livres. Et oui, qu'on m'a demandé d'écrire. Ce n'est pas moi qui ai écrit et cherché un éditeur. C'est Actes Sud, le propos, qui m'a demandé de faire un livre. Et donc là, votre dernier livre, il est aux éditions Philippe Rey. Il s'intitule « Jésus, lumière de vie ». Oui. C'est un livre dans lequel vous commentez un certain nombre de grandes œuvres chrétiennes. Tous les passages du Christ, toutes les étapes, enfin, depuis la naissance... les noces de Cana, enfin tout. Oui. C'est l'évangile des peintres, en quelque sorte. Vu à travers les grands peintres, oui. Alors, comme on va bientôt fêter Noël, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, le tableau de Georges de la Tour, qui a été peint en 1648, Le Nouveau-Né. Ah oui. C'est un sommet de la peinture. Parce que il y a une affaire d'éclairage, tout est très simple. Très pur et très vrai, très impressionnant. Cette femme comme ça, les yeux baissés, avec ce bout de chou là dans ses bras, qui va être le sauveur du monde. Et alors il y a comme ça cet éclairage magnifique là, des ombres. C'est un très très grand peintre. Et c'est le tableau le plus beau sur ce sujet là, je trouve. Cette petite bout de bonhomme là, comme ça, qui va être le Christ, enfin. Il y a un silence, il y a une paix et quelque chose de serein dans ce tableau qui est extraordinaire. On va revenir sur votre vie de comédien.
qui est par principe pas toujours très bien réglé, une vie de comédien, surtout si jamais il joue au théâtre le soir, il se couche très tard. Il y a des années où je peignais l'après-midi, puis j'allais jouer le soir, c'était parfait. Comment dans ce cadre-là, s'organise votre vie de prière? La prière, c'est n'importe quand, n'importe où. C'est dans le métro, c'est dans l'autobus, c'est dans le train. C'est dans la rue, et tout d'un coup, ça vient comme ça, ça jaillit, c'est pas du tout, maintenant je vais aller prier, etc. Non, c'est une proximité immédiate. Et ça peut se pratiquer n'importe où, n'importe quand. Alors, qui sont vos maîtres en la matière? Maître Eckhart, vous dites? Oui, j'ai beaucoup maître Eckhart. C'est à la liste. J'ai une grande passion pour Saint-Séraphin de Sarov, que j'ai eu l'honneur de jouer au théâtre, non sans émotion. Et il y a 15 ans, il était dans une pièce montée par Catherine Fantogournet, et les orthodoxes m'avaient dit « Ah non, un acteur n'est pas digne de représenter un saint. » Alors j'ai attendu, et puis 7-8 ans après, il y avait encore le Saint-Séraphin, et cette fois, on m'a dit « Oui, maintenant, tu peux y aller. » Mais c'est impressionnant de jouer un homme comme ça. C'est comme Frère Luc dans le film. J'ai l'impression que ce n'était pas moi qui parlais. Enfin, c'était comme une deuxième personne qui était là. Là, vous avez la barbe et la couleur de cheveux qui conviennent parfaitement à l'iconographie de Saint-Séraphin. Oui, c'est la grande rencontre, parce que c'est le grand saint russe. Et d'une ouverture et d'une... Oh là là, c'est magnifique, sa prière, là, oui, tous les jours, je prie Saint-Séraphin. Oui. L'autre point qui figure dans votre credo et qui a de l'importance, c'est le pardon. Oui. Pour vous, c'est vraiment un aspect clé, effectivement, de la vie chrétienne. Ah oui, c'est un des moments les plus forts. Quand on a demandé au Seigneur, au Christ, comment prier, qu'il a donné le Notre Père, c'est la phrase la plus longue. Et il n'a dit que des choses capitales dans cette prière. Il aurait pu en dire. Eh bien donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est extraordinaire comme histoire. C'est le pardon est une source de guérison. Que de gens blessés intérieurement, qui souffrent comme ça, qui ne s'aiment pas. Ça, c'est Pascal Hyde qui a écrit un beau livre là-dessus, ce religieux, sur le pardon à soi-même. C'est intéressant de travailler ça, parce que j'étais frappé de voir la méchanceté, la cruauté de certaines personnes vis-à-vis d'autres. Mais celui-là qui crève, j'en ai marre, je vois des termes comme ça. Et voilà. Et alors, Pascal dit que ça vient d'une blessure, généralement, qui date d'une chose ancienne. C'est-à-dire, quand on est jeune, on est plein d'enthousiasme, la vie va être formidable, je vais être aviateur, médecin, etc. Puis il n'y a rien du tout, finalement. Rien qu'un pauvre petit métier pour arriver à survivre. Et alors, qu'est-ce qui se crée là-dedans? Une chose inconsciente, d'ailleurs, c'est que t'es pas grand-chose, quoi. T'es nul, même. Commencer à avoir un mépris de soi et une désolation de soi qui fait qu'on ne s'aime plus. Et quand on ne s'aime plus, on ne peut plus aimer les autres. Et c'est là que le pardon intervient, donc, comme source de guérison. Oui, source de guérison. Des maladies, moi j'ai vu avec le père Tardif, bien sûr, des guérisons sous mes yeux, comme ça. Stupéfiant, là, un vieux monsieur à moitié mort qui est arrivé et qui s'est relevé comme ça. Oui. Michael, on va devoir terminer cette émission. J'ai encore trois questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Eh bien, venez me voir. Et je tâcherai de vous conseiller d'aller voir quelqu'un. Soit un religieux, soit un charismatique, je ne sais pas. Mais pour voir un petit peu pourquoi la personne demande ça, et voilà. Donc je dirige, j'essaie d'aider les gens. Alors, mais il faut aller voir un religieux. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Il y a tellement de prêtres formidables. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ?
Oh là là, alors là, il y en a tellement. Oh non, c'est le Christ. C'est vraiment l'admirable de l'admirable de l'admirable. C'est tout. C'est tout en cet homme. C'est la vie, c'est la lumière, c'est la générosité, c'est tout ce qui est beau, c'est l'amour surtout. Oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Ah, te voilà enfin. Merci oui. beaucoup. Merci beaucoup, Michael Lonsdale. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Jésus, lumière de vie, mon évangile des peintres, aux éditions Philippe Ray. Je rappelle également la pièce que vous avez mise en scène et qui se joue actuellement au théâtre du Petit Héberto à Paris, Sœur Emmanuelle, confession d'une religieuse, jouée par Françoise Turiès. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour ces 15 ans de Catéo. Oui, bon anniversaire. Bon anniversaire, Catéo. Et puis, espérance et oui. Et confiance. Avec un grand C. Ceux qui souhaitent revoir cette émission ou la transmettre à leurs amis peuvent la retrouver sur notre site internet, catéotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.